Alors, ce concours se passe avec un passage devant jury. Il y a 9 jurys qui vont déterminer les candidats qui vont avoir des prix et qui vont pouvoir participer après au concert des lauréats. Ce qui me semble très important de saluer, c'est la tenue du concours et notamment dans son organisation, parce que quand on a tout un programme à jouer, c'est des heures de travail et c'est beaucoup d'investissement. Et c'est déjà, j'ai envie de dire, suffisamment difficile de jouer pour ne pas avoir à s'occuper de logistique, de trouver un hôtel, de savoir comment on va de la gare à l'hôtel. Ça semble très bête et des aspects très pratiques de la vie, mais qui comptent énormément quand on doit jouer, que ce soit d'ailleurs en concours ou en concert, et là-dessus, Isabelle Legravé et le concours se tiennent d'une manière exemplaire, puisqu'il y a toute une équipe de bénévoles qui sont formidables et qui permettent aux candidats d'être dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est vraiment formidable. Ensuite, sur la prestation en tant que telle, ça reste un concours, et j'ai envie de dire, il faut aller et jouer. Ah bah c'est plus reposant dans un sens, ça je dois bien le dire, mais il faut quand même, ça demande beaucoup de responsabilité parce qu'on se dit que ça demande de la concentration pour pouvoir prendre une décision qui soit la plus éclairée, la plus objective possible, ce qui fait qu'on se doit pour les gens aussi qui sont là, et puis j'ai la chance de savoir, bah, comme je pense tout le jury, mais de savoir précisément ce que ça fait d'être de l'autre côté et donc la responsabilité que ça nous donne en tant que jury pour prendre la meilleure décision possible. Cette année, nous allons pouvoir découvrir des jeunes talents époustouflants avec une grande variété instrumentale, vocale. Et nous allons aussi découvrir beaucoup d'ensembles qui se sont inscrits beaucoup plus que l'an passé. Ah oui, énormément, ça serait génial, c'est vrai que j'ai jamais encore joué avec un orchestre, donc bon, on verra bien comment ça se profile, j'ai pas encore vraiment entendu le reste des candidats, mais voilà, c'est vrai que ça serait super. Ouais.